L'action de la bourse a les mêmes effets que l'action du capital social. D'ailleurs, il faut comprendre que l'action de la bourse, c'est une partie du capital social qu'on met en bourse. On appelle cela le flottant. C'est la partie du capital social qu'une entreprise met en bourse. Généralement, selon les standards internationaux, c'est entre 20 et 25% du capital social. Ça veut dire que si une entreprise a un capital social de 10 milliards de dollars, je dis juste comme ça, elle va mettre en bourse entre 20 à 25% de son capital social légal reconnu. C'est-à-dire que si elle a 10 milliards de dollars, elle va mettre entre 2 et 2,5 milliards en bourse. 2,5 milliards, là, c'est coupé en beaucoup de fractions d'actions. Hein. Ce n'est pas 2,5 milliards comme ça que quelqu'un va seulement venir l'acheter tous les 2,5 milliards. C'est converti en beaucoup de milliers d'actions. À la bourse, on y met plein de petites actions. Vous voyez un peu. Donc 2,5 milliards, là, peut être découpé même en 20 000 actions. On prend 2,5 milliards, comme si vous prenez cela, vous découpez en 20 000.